Bonsoir Ada, les amis, pour ceux qui ne me connaissent pas, vos grands-mères, les supporters, qui veulent pas se taire, les amis. C'est la émeutada, c'est la caillassada, c'est la forfaitada, les gars. C'est une catastrophe ce qui se passe ce soir. L'Olympique de merveille a perdu à Nice. C'est putain de pénis. C'est plus l'OGC Nice. C'est l'OGC Anus. Vous êtes des anus, la vie de ma mère. C'est plus la promenade des Anglais. C'est la promenade des étranglés. Vous avez étranglé nos joueurs. Tout le match, vous leur avez jeté des projectiles. C'est plus les Marseillais. C'est y en a marre, ça y est. Y en a marre, tous les matchs, c'est pareil. Tous les matchs, on se prend des projectiles. À Marseille, on joue le champion de project. À Nice, ils jouent le champion de projectiles. Oula, les gars. À part lancer des projectiles, ils servent à quoi? Tout le match, ils ont jeté des bouteilles d'eau sur nos joueurs. Tout le match, la vie de ma mère. Oula, vous n'avez pas marre de jeter des bouteilles d'eau? Vous n'avez pas marre? Tout le match, ils ont tout le match. La vie de ma mère, c'est incroyable. Et après, ils donnent la défaite à l'OM. Mais c'est un scandale. C'est une honte. Oula, c'est une honte. Oula, je jette des projectiles sur ma télé. C'est ce qu'il a subi, Payet. Il a subi ça ce soir, Payet. Il a subi ça, les gars. Et c'est la vérité. Il y en a marre de ça. Il y en a marre. Oula, c'est incroyable. On s'est fait baiser, les gars. On s'est fait baiser. D'accord? Depuis la première seconde du match, il fallait l'arrêter. C'était pas un match, c'est du catch. Steve Mandanda, le match, il avait même pas commencé. Il faisait que ramasser, miskin. On aurait dû être ramasseur de balles. Mais lui, c'est un ramasseur de trous de balles. Oh là, qu'il a ramassé des trous de balles ce soir, les Niçois. Et les autorités, vous faites quoi, les autorités? Quand c'est Neymar qui tire un corner, il y a les CRS, la garde nationale, l'armée, le JEPN, le GIGN, il y a tout le monde, oh là! Même les commentateurs, ils descendent pour défendre Neymar. Même Paredes, il se met au milieu. Oula, les gars! Apparemment, les CRS en Ligue 1, ils sont réservés que pour Neymar. Et il y en a marre de ça, il y en a marre, d'accord? Oula, c'est un scandale. Dimitri Payet, il fait ce qu'il veut, il fait ce qu'il peut, il revient à son meilleur niveau, et il se prend des bouteilles dans le dos, miskine. Oula! Et heureusement, ils n'ont pas envoyé une bouteille de coca, sinon il aurait bu, les gars, la vie de ma mère. Mais c'est vrai, Dimitri Payet, oula, il pète un câble, je le comprends, les gars, je le comprends, c'est un être humain avant tout. Le mec, il se fait jeter des projectiles, il n'y a personne qui fout rien. Et quand il s'énerve, ouais, Payet, c'est le méchant, arrêtez, les gars. Même si Payet, j'aurais aimé qu'il ait la réaction de Dani Alves. Dani Alves qui a été victime de racisme, il se recevait des bananes, c'est un corps pire. Les gars, c'est encore pire. Dani Alves a pris la banane, il a mangé. C'était une super réponse, les gars. Mais là, c'était oh, là, ça voulait plus s'arrêter. Et vas-y, qu'on jette des bouteilles sur Payet, des supporters, ils l'ont jeté dessus. Oh là, les gars, et c'est normal. Je peux comprendre sa réaction, les gars. La vie de ma mère, même Sampaoli. Sampaoli, c'est pas un entraîneur, c'est un engraineur. Oh là, il est parti, il voulait frapper tout le monde. Oh là, c'est incroyable. C'est incroyable. Un entraîneur qui défend ses joueurs, c'est beau de voir ça. Mais voilà, les gars, c'est ce qui arrive. Juste un truc pour Sampaoli, s'il te plaît, défais ton bouton d'en haut. J'ai peur que tu meures d'étouffement. Voilà, le dernier bouton, enlève-le, Sampaoli. Comment tu fais pour respirer? Il est comme toi. Voilà, il n'arrive pas à respirer. Mais l'air était irrespirable à Nice. La vie de ma mère, les gars. Oh, les aiglons, les étranglons. Vous avez étranglé nos joueurs. Et quand j'entends dire, ouais, c'est du jamais vu, qu'une équipe veut pas reprendre le match. D'accord, c'était pas en Ligue 1. Mais c'était encore pire, c'était en Ligue des Champions. PSG, Chelsea. D'accord? Quand les joueurs, ils ont vu qu'il y avait une insulte raciste, du racisme, ils se sont tous arrêtés de jouer. Tous arrêtés de jouer, bordel, tous! D'accord?
tous pour un et un qui tous, les gars. Voilà, ils ont tous été solidaires, ils ont tous interrompu le match et personne n'a décidé à leur place, c'est les joueurs qui ont décidé. Voilà, et ça, personne ne le dit, ça. Mais là, ça aurait dû être la même chose. Quand les joueurs de l'OM, ils ont arrêté de jouer, les Niçois auraient dû arrêter aussi. Vous auriez dû arrêter la vie de ma mère. Mais eux, non, ils vont sur la pelouse et vas-y, qu'ils tirent des corners, ils mettent des têtes sans gardien. Arrêtez un peu. Voilà. Et le président de Nice, ouais, l'OM doit oublier le score, mais t'as pas honte. Mais t'as pas honte de parler de football. C'était pas du football, c'était des footeurs de merde ce soir. C'était pas des tribunes à Nice, c'était des tribunales. Voilà le tribunal, vous allez finir. La promenade des Anglais, vous allez en promenade en prison, ça va vous faire du bien. Voilà que ça va vous faire du bien. Non, mais c'est la vérité, les gars. Oh, en Ligue 1, on protège que Neymar et Lionel Messi. Voilà que c'est la vérité. Les autres, allez-y. C'est plus des CRS, c'est des CRLS. Voilà, ils les laissent faire, ils s'en battent les couilles. Il y a plus de CRS pour protéger Neymar sur un corner que de CRS aux Champs-Élysées quand il y a une manif des gilets jaunes. Et c'est la vérité, les gars. Et c'est la vérité, oh là. Et j'arrive pas à y croire, les gars. La vie de ma mère, je suis dégoûté. On dit adieu. C'est fini. Putain de merde, de l'Alliance Riviera. Oh là, Rivier, dévier. Vous êtes déviés, les Niçois. Oh, je sais pas ce qu'ils ont à s'inventer un derby contre l'OM. Le derby de Nice, c'est contre Cannes. C'est contre Fréjus. C'est contre Villeneuve-Loubet. Oh là, que contre l'OM. Et depuis le début de saison, c'est pareil. Faut attendre quoi qu'il y ait un mort. Bientôt, les joueurs de l'OM ils vont jouer avec un casque, les gars. Oh là, des monégasques, des monécasques. Oh là, ils vont jouer avec un casque, avec une armure. Oh là, ça sera du football américain. C'est ça, bientôt, la Ligue 1, les gars. Mais non, moi je suis dégoûté. Et c'est pas normal. C'est pas normal que l'OM soit sanctionné. T'as des joueurs qui rentrent sur le terrain, ils étranglent nos joueurs. Oh là, ils ont failli mourir. Ils leur disent hey, venez rejouer. Tu vois l'autre là, Pérez, il a une marque ici. La vie de ma mère, on dirait, je comprends le sens de tacle à la gorge maintenant. La vie de ma mère, c'était Georges Gorge Paoli. Bien sûr qu'il s'est énervé, Gorge Paoli. Quand il a vu la gorge de ses joueurs, c'était les gorges du... Et leur marque, c'était les gorges du Verdon. Oh là, il y avait la carte de la Tunisie sur leur nuque et sur leur cou, les gars. Oh là, sur leur cou. C'est quoi ça? C'est un coup monté. C'est un coup monté. On nous prend pour des cons. On nous prend les 3 points. Et les joueurs ont des points de suture. Oh, c'est quoi la prochaine étape? Il fallait attendre quoi en fait? Qu'un joueur soit mort? Faut attendre. Quand un match il pue, il doit être interrompu. Que ce soit pour du racisme, pour de la violence, pour des menaces. Le match il pue, il doit être interrompu. Tout simplement interrompu. Point final. Il n'y a pas de négociation. Oh, ouais, les joueurs de foot, ils gagnent bien leur vie, donc ils doivent accepter les insultes, ok, ils doivent accepter les coups, ils doivent accepter les cambriolages, ils doivent accepter quoi en fait? Ils doivent accepter quoi aussi? De se faire frapper leurs enfants? De se faire frapper leurs femmes? Non les gars, il y a des limites à tout, il y a des limites un peu, contrôlez-vous un peu, oh là. Contrôlez-vous, c'est un truc de malade. Les Niçois, tu les vois leur tête rouge, ils sont là, ils ont même pas de champ. La vie de ma mère, ils ont bu trop de vin, trop de pichets de vin. L'OGC Nice, la vie de ma mère, l'OGC s'énerve. En plus, ils gagnent 1-0, je comprends pas. Imagine, ils auraient perdu, alors imagine, ils auraient perdu. Oh là, et Payet, bien sûr, il va se prendre 40 matchs derrière, c'est pas juste. Et pour le coup, Payet, on te soutient. Tous les supporters de l'OM te soutiennent, Payet. Vos grands-mères les soutiennent, Gorge. Qui soutient Georges? On soutient Georges Sampaoli. C'est Georges Sampaoli. C'est Gaëtan Zampa. Le mec, c'est un petit mafieux, ce petit chauve. Il a pas un poil sur le caillou. Mais il a réagi quand il s'est reçu des cailloux, les gars. Et ça, j'ai bien aimé. Voilà. Oh, la violence ne résout rien. Mais vous avez craqué, les gars. Vous avez pété un câble. Allez, on rejoue. C'est parti. Les joueurs, ils sont ensanglantés. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. La vie de ma mère, c'est un scandale. Et là, je comprends pas. Quand les matchs de Bastia, il y a des envahissements de terrain, on arrête le match, on discute pas. Quand c'est l'OM, allez, on les envoie au fourneau. Allez, faites-vous caillasser comme des merdes. Il n'y a personne qui nous aime. Il n'y a personne, bande de jaloux. Vous êtes jaloux de nous. On a les meilleurs supporters. On est des vrais supporters, nous. La vie de ma mère, c'est des quoi, ces supporters qui font des signes nazis, ceux qui font des
médecine nazie, vous êtes des nazes. Wallah, vous êtes des nazes. Et les gens qui disent, ouais, les 2-3 personnes qui font des choses mal, les gens ne doivent pas tout prendre pour eux. Je suis désolé, tu es en tribune. Un mec qui fait le signe nazi, c'est aux supporters de faire le ménage. Avant la LFP, avant les autorités, avant les policiers. Un supporter fait ça à côté de toi, tu le balayes. Il fait le signe nazi, tu le balayes. Il fait des cris de singe, tu le balayes. Wallah, balayez devant votre porte avant de balayer. Balayez vos supporters avant de balayer devant les supporters des autres. Voilà. Arrêtez de cette excuse de merde. Ouais, il y a un supporter qui a fait le signe nazi. Un supporter. Si les autres dites rien, si vous dites rien, c'est que vous êtes complice. Tout simplement, il y en a marre de ça. L'OGC Nice, l'OG complice. Aucune solidarité pour les supporters marseillais. Les footballeurs, je m'adresse à vous. Vous faites le même métier, bordel. Vous n'avez pas le même maillot, mais vous avez le même métier. Ce qui arrive aux joueurs de l'OM ce soir peut arriver à n'importe quel joueur de Ligue 1. À part Neymar, bien sûr. Papa Neymar, qui va tirer un corner. Allez, vas-y, on y va. Allez, il y a tout le monde qui se met devant. Et voilà, ils mettent tout le monde, frère. S'il faut qu'ils mettent les darons des joueurs, ils les mettent. Voilà que c'est la vérité. Voilà que c'est la vérité, les gars. Oh, c'est quoi ça? Où on va? Où on va, les gars? Le sport, le foot, ça rassemble, ça rassemble, ça ressemble. Ça ressemble peut-être à la solidarité, mais c'est fou. Il y a de la haine. Il y a trop de haine. La vie de ma mère, les aiglons, les aiglants. Voilà, vous êtes des glands. C'est pas la première fois que ça arrive. Vous êtes là. Voilà, ils envahissent le terrain. Ils ont cru qu'ils ont gagné le championnat. Et arrêtez un peu. Arrêtez, voilà. Ça envahit le truc, ça jette des bouteilles d'eau, Payet qui renvoie une bouteille d'eau, c'était une bataille d'eau les gars, c'était une bataille d'eau, les Niçois, vous avez gagné la bataille d'eau, mais pas la guerre, la vie de ma mère c'est vrai, ça me dégoûte les gars, oula ça me dégoûte, je comprends pas, ça, c'est eux qui sont en tort. C'est eux qui sont en tort, c'est pénis là avec leur Goldberg de merde. La vie de ma mère, voilà, je peux pas vous voir, je peux pas vous voir. Pour qui vous prenez là? Allez faire du paddle sur la plage, allez faire du pédalo. La vie de ma mère, c'est la goutte d'eau qui fait déborder la bouteille d'eau ce soir, les gars, je vous le dis, j'ai la haine.